Bonjour à tous, ça tue, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte sur le jeu Killing Floor 2. Donc je le découvrais en même temps que vous, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de zombies. On est sur une map, on reçoit des attaques sous forme de vagues, il y a plusieurs types de zombies, plusieurs types d'armes. Donc on va tester ça en solo hors ligne pour commencer, sinon c'est un jeu qui est vraiment fait pour jouer en ligne à la base. Mode de jeu, survie, j'ai tout laissé normal. Longueur, court, 4 vagues. Ouais, bon. Alors, comment ça se passe là? Ah, bah, prêt. Il n'y a personne, de toute façon. Alors, avec quoi je commence, moi? Faut que je voie les touches un petit peu. J'imagine que ce ne sont pas des taupes qu'on va trouver là. Ah, ça c'était la grenade. Ok. Juste une sorte de pelle coupante là. C'est chelou. On va essayer de bouger un peu. Merde. Est-ce que ça les tranche en deux sur le sens de la hauteur, non? Ok. On va se balader quand même un petit peu sur la map, hein, c'est la base. D'ailleurs, il y a un plus gros zombie là. Hop là, raté lui. Ah, il y a des zombies armés. Hop. D'ailleurs, il est costaud lui. Il me reste plus de grenades, bien sûr, si. C'est de la merde, leur grenade. Je m'attendais à une grenade à fragmentation, mais que dalle. Merde, je suis dans un cul-de-sac, déjà. Je sais pas comment ça se passe pour trouver de nouvelles armes. Faut que je regarde ça. Il sort d'où, lui? Alors là, c'est fermé. La map elle est vraiment bien foutue en tout cas. Elle a l'air assez grande, c'est pas mal ça. Là, il y a des zombies qui passent là-haut, normal. Il arrive le gros que je défonce un petit peu. J'ai perdu quand même 15 points de vie, c'est pas terrible. Oh le bâtard! Il m'a fait quoi là? J'ai pas encore d'arme à distance pour l'avoir, c'est la merde s'il me crache dès que je suis au corps à corps. Ah bon. Je vais me faire crever. Tenir pour soigner, ok. Ok. On va se dépêcher, il y a une minute apparemment. C'est quoi ça? Vous avez ramassé des munitions. Mais munitions de quoi? J'ai... Ah. Ça c'est la touche pour donner de l'argent. Ça c'est les soins. Il m'en met d'où la flèche là? Ok. Alors, armure, pistolet. On va s'augmenter le pistolet. C'est quoi ça? Vendre. Remplir. Hop. Il n'y avait pas d'autres trucs à améliorer. Ah si, katana. Ah oui, les trucs, les armes à acheter, c'est pas mal. Parfait. Donc comment je... Ah. Comment on change d'arme? Triangle, non, peut-être? Ouais. Bonjour. Venez chercher vos accessoires de mon bar. 3, 2, 1, 0, ça a commencé. Le module est fermé. Par contre, j'ai pas récupéré ma santé, du coup. Du coup, je suis au max en armure.
vu que j'ai acheté de l'armure. Alors. Hop. Donc quoi, carré pour recharger. Classique. Oh bâtard. C'est quoi qui m'a blessé? Oh, elle continue à avancer alors que... Oh la vache. Ça vient d'où tout ça? Bah là, je vais me faire niquer bêtement quoi. Ah putain. Ah bah oui mais là... Je me fais un petit peu défoncer là pour ma première fois sur le jeu. Ces araignées là qui sont reloues. Hop là. Et visiblement ils sont en masse. Alors, où que c'est que j'arrive là? Une caisse, je sais pas ce qu'il me reste en munitions. Ouais, il m'en reste pas mal. Donc là, on va voir tous les rapides, les araignées, l'invisible. Non, lui, c'est pas un invisible, mais il a l'air rapide par rapport aux autres. Ah si, il reste une araignée. Mais lui, eux, ils viennent d'où? Il y avait rien il y a deux secondes. Merde, je reculais sur un obstacle. Parfait, on va aller voir la vendeuse. Je sais pas, j'ai gagné combien de dollars, c'est où qu'on voit ça? 1412. Ah, je crois que je peux m'acheter le katana. Il était à 600 si je me trompe pas. Et il y a quand même des zombies là-bas. Mais je dois passer par là. Affichez les commandes d'échange et améliorez votre équipement. Alors... Ah oui, il y a pas mal d'autres armes. Ça c'est quoi? Une épée. C'est quoi ça, l'espèce de bouclier? L'espèce de poids là, ouais, ça doit être le poids de l'arme. Ça doit influencer la fatigue. Hop, je vais me prendre le katana. Voilà. Remplir l'armure. Il y a d'autres pistolets. Ça c'est quoi? Carabine. Je pense qu'on va être pas mal. Ça marche quand par contre pour changer d'arme comme ça? Carabine, pistolet, katana, parfait. Oh là, il y a des plus gros là déjà. Parfait, bingo. Oh, le katana il est énorme, hop là. Ah, énorme le katana, je kiffe. Un régal quoi. On va pas rester trop stagnant, ça risque de pas le faire. Hop. Oh merde, il y a du monde. Hop là. Ah putain. C'est quoi le zombie qui crie là? Ah, c'est un bordel le jeu là. C'est énorme. Ça a pas manqué d'action là-dedans. Ah ouais, sans le katana, tu galères là. Oh, elle vient d'où elle? Il est sérieux lui?
Et je sens que je vais pas le kiffer. Ça, ça tire en rafale, celle-là. Hop là. Ah, puis il se protège en plus. C'est quoi ce pistolet bizarre? Ouais, double pistolet, très bien. Par contre, le machin, il a l'air de courir vachement vite. J'entends juste le bruit de ses pas. Ah, il s'en bat les couilles. Il faut que j'aille au katana. Il est sérieux là, j'ai l'impression de pas lui faire de dégâts. Avec le machin qui continue à gueuler. C'est bon, je me suis débarrassé de lui. Oh la vache, j'ai pris cher là. Truc de fou. Un vrai régal, putain. Bon petit jeu pour bien se défouler, ça. Je prends vachement cher quand même, mais c'est ira mieux par la suite. Alors, hop. Qu'est-ce que je vais me faire, moi? Katana, ça s'améliore pas. Ça, je peux le vendre. Je peux remplir l'armure. Alors, qu'est-ce que je peux me prendre dans les armes à feu? J'ai affiché tout. Je vais bientôt fermer les amis. J'aperçois les ennemis. Pistolet lance-grenade, C4, roquette. Ouais, non, je peux pas porter en poids. Petit magnum. C'est parti, de toute façon, faut tester. Les aides approchent, ouais. Ouais, voilà, je viens de voir la jauge de poids, on peut porter jusqu'à 15 en poids en fait. Donc le nombre d'armes se limite du coup par rapport à ça. Bon, faut que je me soigne. Je sais pas c'est où le nombre de soins que j'ai qui s'est affiché. Hop là. Bon, on va se défouler un petit peu, là c'est un vrai carnage, j'ai début de manche. Je me disais, c'est bizarre, il y a encore personne derrière moi, alors qu'à chaque manche, je me fais surprendre. Ah oui, les invisibles et les araignées qui arrivent, celles qui gueulent, le gros. Putain, c'est direct le bordel. Crève, espèce de gros porc, là. Niveau supérieur. Donc il y a des aptitudes, je crois, qu'on améliore, qui sont permanentes d'une manche à l'autre. Sinon, à chaque fois, on recommence avec les armes de base, on n'a rien en fait. Encore un gros comme ça. Deux même. Ah putain. Putain, je suis bloqué. Oh bah c'est fermé là ce coup-ci. Ah. Ah bâtard, ils m'ont pris dans un angle. Faut que je les bute avant de crever, sinon je suis dans la merde. Voilà. Là-bas, il y a des munitions. Ah, faudrait que je trouve des armes quand même plus efficaces contre les gros lards. Il est où le magnum? Il est là. Oh bah d'accord. Vu le recul qu'il y a, j'ai pas mis beaucoup de balles sur lui, quoi.
Ah, il me fonce dessus. Merde. Parfait. Bon, les magnums sont assez efficaces, par contre, bah, faut faire assez vite. Hop. Le katana, ça suffit, je vais pas gaspiller les balles. Je vais peut-être... Oh bah il m'a quand même eu. Bingo. Ça c'est fait. Ah énorme quoi, un vrai régal ce jeu. Un vrai régal. Donc, je dois aller en haut. Je recharge toutes mes armes. Alors, donc remplir l'armure, ça c'est nécessaire, on se pose même pas la question. Je sais pas c'est quoi mag, il y a remplir et il y a mag. Quand j'appuie sur mag, ça remplit les balles. Ah oui, c'est par petit paquet ou tout d'un coup. Ok, putain c'est cher les balles de magnum. Alors, type favori tous. J'ai pas une arme que je peux vendre. Ça c'est de la merde, ça me libère combien en poids? C'est où que je vois le poids? Je suis à 12 sur 15, donc je peux prendre que 3, je peux pas prendre de grosses armes du coup. SMG. C4, je m'en bats un peu les couilles. Là-dessus, il y a quoi? Oh merde, bon pas eu le temps, tant pis. Mais du coup, j'ai l'air con, j'ai 4000 dollars et... Oula, c'est quoi ça? Toujours en vie, bravo. Je devrais vous féliciter, mais je préfère vous éviscérer. Bah, il a l'air moins commode, lui. Je crois que je vais y aller au Magnum. Ah, il tire des grenades, il est sérieux? Bah, c'est du gaz, ça, c'est pas top. Ok, donc il est aussi bon au corps à corps. Oh. Il esquive les balles, il se fout de ma gueule. En même temps, c'est un peu des pistolets de merde aussi. Bon, on va tester un peu le corps à corps quand même. Il s'en bat les couilles des coups que je lui mets un peu. Ah ouais, faut y aller aux armes à feu obligatoirement. Merde, j'avais pas rechargé... Oh, il y a des zombies qui commencent à se pointer. Hop. Alors... Oh merde, 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 merde. Il se rapproche un peu trop près là. Ah ouais, j'ai encore plus de vie quoi. Eh mais il y a des trucs qui peuvent que je peux faire exploser quand ils passent devant là. Oh merde. Oh. Epic fail. Énorme. Énorme. On va faire un petit tour, ça va sûrement bien se passer. Par où il arrive? Ok, il va arriver par là. Ah non, visiblement ça pète pas. Putain, il fait mal ce con. Ah si, je lui ai fait très mal là par contre. Là, il kiffe pas trop quoi le Magnum. Ah, il a un bouclier, sérieux? Grenade. Il fait quoi là? Il soigne? Il s'est régène? Il est sérieux?
Je vais le démonter. Je m'en bats les couilles. Le machin, il est sérieux. Il m'a fait du vol vie, quoi. Par contre, quand je fais ça, je prends cher quand même. J'y vais un peu en mode kamikaze, genre je m'en bats les couilles, mais du coup... Ah, il est presque mort, hein. Oh non, il me refait son délire, là. On va se barrer. Non, ah, mais il est sérieux. Comment on fait pour l'empêcher de faire le vol vie, quoi, qui se régène? Gaspiller des balles de magnum sur ça, c'est pas terrible. J'ai quand même besoin de vie. Oh putain! Au moment où je me soigne, il me démonte. Ah là, il m'a mis en plein dans son gaz. Même pas, ça arrête son avancée quand je lui tire dessus, quoi. Merde. Est-ce que si je lui tire dessus... Putain. Le con, quoi. Oh merde, ça a pété. Et je vais bien finir par me le faire, celui-là. Il est en train de me buter aussi, quoi. Là, on est tous les deux avec plus beaucoup de vie. Voilà. Ah bah, j'ai bien galéré, hein. C'est là qu'on comprend que c'est bien un jeu multi, quoi. Nilou, son corps, il a rien lâché, ouais. Victoire, bah j'en suis bien content. Alors, comment ça se passe? Alors, tueur de Z, 119 zombies tués, dégâts 21 978, sac d'argent 9386, j'ai tué un boss, exécuteur 4 assistants, 4 grands Z, 89 tirs en pleine tête. Je sais pas, il n'y a pas le... Le pourcentage de précision, ça peut être pas mal. Donc, fou furieux, c'est quoi? Ça infligeait des dégâts d'armes de fou furieux. Commando, flingueur, médecin. Ok, donc on gagne des expériences en fonction de ce qu'on fait. Stade du joueur, là, on va rigoler avec mon faible pourcentage de précision. Fric total, tué en tant que grand Z. Tir à la tête, total tué 119. Assistance 4. Dégâts totaux infligés. Magnum, tir à la tête, ouais, 24 avec. Ils m'ont compté des tirs à la tête avec le katana carrément. Donc là, ça charge, je n'ai touché à rien, je sais pas comment ça marche. Donc, un fou furieux, ouais. Terrain hostile. Ah, ça me propose une autre map là directement. C'est où quoi? Ah voilà, ok, c'est le level de mes persos, donc il y a pas mal de classes. Il y a pas mal de classes, c'est pas mal. Donc je vais les faire bah, les unes après les autres, je pense. Je vais essayer de me les faire un peu toutes, voir ce qui me plaît le plus. Moi, j'aurais plus tendance à être attiré par quoi? Qui pourra améliorer les habilitations au katana et tout. Bon, dégâts de fou furieux, plus 1% par niveau, résistance aux dégâts 3% tous les 5 niveaux, vision nocturne, insaisissable par en... Ouais. Bah toi, il y a tout ça, regardez un petit peu. Alors, configurer. Bah pour l'instant, je ne peux rien faire, faut prendre... Faites tous les 5 niveaux, on va gagner un truc. Voilà, voilà.
Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la qualité de la vidéo et de ce jeu tout simplement, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Donc je serai dispo aussi peut-être pour faire des parties en multi en coop, ça peut être sympa. Donc s'il y en a parmi vous qui ont le jeu, n'hésitez pas à m'en parler, on peut voir pour y jouer dès que je serai disponible. Voilà, voilà. Donc merci à tous et à très bientôt. Salut tout le monde !